Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On démarre un petit peu en retard parce qu'il y a une petite file d'attente inhabituelle, comme il y a l'inauguration d'une exposition aujourd'hui, donc en espérant que quelques personnes nous rejoignent et que vous vous sentiez un petit peu moins seul. Mais en tout cas, nous, on est tous là pour vous et on va vous proposer une soirée, je l'espère, réussie et intéressante. Donc, je vous rappelle que nous sommes dans le cadre de la programmation associée de l'exposition Claire Bretéché, que peut-être vous avez déjà visitée et que je vous invite à visiter, qui va durer à la bibliothèque jusqu'au 8 février et qui est en entrée libre, soit par le centre Pompidou, soit par l'entrée de la bibliothèque. Et donc, nous avons ce soir une table ronde consacrée à la bande dessinée et à ses liens avec la revue, puisque nous avons aussi lancé l'année dernière à la BPI un cycle autour de la revue indépendante, la vie des revues, la sensibilité des revues qu'on essaye de proposer au public pour que le public comprennent un petit peu pourquoi on crée une revue et dans quel but et avec quelle sensibilité artistique notamment. Donc on a réuni ces deux thématiques ce soir, BD et revue, pour vous proposer cette soirée que Jean-Christophe Augier, qui est spécialiste de bande dessinée et qui officie à France Info, va nous faire le plaisir d'animer et je lui laisse la parole pour présenter la soirée. Merci beaucoup, Jérémy. Oui. Effectivement, la revue, la bande dessinée, les revues de bande dessinée, vous les connaissez sans doute. En tout cas, vous avez sans doute, sans aucun doute dans votre vie, déjà entendu quelques noms de revues de bande dessinée, parmi lesquelles Spirou quand on est enfant, Tintin ou Pilote. Et je commence par Pilote pour remettre un peu en scène ce dont nous allons parler ici, parce que Pilote est une revue qui est née en 1959 et qui avait été créée par des auteurs. René Goscinny, Jean-Michel Charlier, qui était scénariste, avait éprouvé le besoin à l'époque, autant pour des raisons éditoriales que pour des raisons presque militantes. Il s'était senti un peu trahi par leurs éditeurs, notamment du côté de la Belgique, et ils avaient eu envie de se lancer dans l'aventure et de fédérer autour d'eux un certain nombre d'auteurs prestigieux, des noms qui reviendront pendant les décennies suivantes en haut de l'affiche, puisque je regardais tout à l'heure un peu comme ça sur les différents sites et j'y apprenais, parce que j'apprends toujours des choses en bande dessinée, que pas moins de 20 auteurs ayant signé dans Pilote avaient eu le grand prix à Angoulême, un grand prix de la bande dessinée à Angoulême. Comme on le voyait tout à l'heure derrière nous, c'est dommage qu'il n'y ait plus l'image. Ah oui, donc on ne peut plus, mais il y avait la une d'une revue. Cette revue, c'était L'Écho des Savanes. L'Écho des Savanes qui a été créée effectivement par nos amis Gottlieb, Bretéché, Mandrika, qui étaient tous les trois, d'ailleurs, des auteurs qui signaient dans Pilote. Et c'est à la suite d'un différend avec Goscinny, Mandrika n'ayant pas réussi à lui placer une histoire qui devait être un peu difficile à expliquer à un rédacteur en chef. Voilà, c'est un concombre, je vais lui mettre un masque, il marche, et puis il philosophe, parfois juste en prononçant une lettre, dans un territoire un peu hostile, mais dont on ne comprend pas grand-chose. Mais je vous assure que c'est formidable. Bon, pour une fois, Goscinny n'a pas marché, je dis pour une fois, parce qu'il avait quand même accueilli dans les pages de Pilote des gens comme Druillet, auxquels il ne comprenait rien et à qui il disait « Je ne comprends rien, mais je vois qu'il y a là quelque chose qui doit toucher le cœur des lecteurs, donc je prends. » Là, il n'avait pas compris et on était quand même dans l'après-68. Les auteurs voulaient parler d'autre chose que de simplement faire de la BD de genre pour les enfants ou les ados. Donc, ces trois gaillards, Gottlieb, qui avait trahi son père spirituel, Goscinny, Bretéché, Claire Bretéché, qui était à l'époque la seule femme quasiment de toute la bande, et Mandrika sont partis et en 72, si ma mémoire est bonne, ont créé le fameux Écho des Savanes. Et puis, presque dans le même temps, d'autres avaient envie d'aller voir d'autres territoires, de la science-fiction, par exemple, et donc Métal Hurlant 75 est créé là aussi. On trouvait au frontispice de la revue et derrière les albums qui en ont découlé une sorte de totem sur lequel on pouvait lire les noms de Dionnet, de Moebius, Giraud, qui avait lui aussi été présent dans les pages de Pilote. Et voilà, il y avait Druillet à nouveau, donc il y avait des envies. D'ailleurs, des envies de faire des choses entre auteurs. Et il est important de dire entre auteurs, nous le verrons par la suite.
Les années ont passé, il faut attendre sans doute les années 90, l'association se crée en 90, l'association, pour ceux qui ne visualiseraient pas, c'est une génération, là aussi, qui s'est affirmée en rupture de la bande dessinée, cartonnée, couleur, 48 pages, classique, pour dire il faut porter du dessin ambitieux au service d'un récit ambitieux, mais sans problème de pagination, de format. L'association, c'était David Bay, Lewis Trondheim, Matt Conture, Stanislas, Jean-Christophe Menu, Kilofer et Mokate. Ils ont créé cette association qui s'appelle l'Association et qui a créé une revue d'auteurs qui s'appelait, et qui s'appelait toujours, même si elle a beaucoup changé depuis, Lapin. Je vais juste citer encore une revue avant d'arriver à nos amis. Cette revue, c'est Capsule Cosmique. Je la cite quand même parce que Capsule Cosmique, qui a vu le jour en 2004, avait comme rédacteur en chef un auteur, là encore, dessinateur et scénariste souvent pour les autres, Gwen de Bonneval. Les éditions Milan avaient lancé cette revue pour enfants. Mais parfois, les éditeurs trahissent les bonnes idées des auteurs, ou en tout cas, le public ne répondait peut-être pas assez présent, ou la distribution n'était pas assurée. Bref, on ne se donne pas tout à fait tous les moyens de trouver le public à qui c'est destiné, et Capsule Cosmique est morte de sa belle mort. Et voilà que nous étions donc là en 2004. Vous avez vu, 92, puis avant, on était dans les années 80, puis les années 70, presque comme s'il y avait une nécessité de se refonder tous les 10 ans, tous les 20 ans. En 2013, deux familles d'auteurs, même s'il y a des passages entre ces deux familles, hein, ça admet la cousinade, ça admet les passerelles, ça admet le compagnonnage, mais avec quand même des intentions fort différentes, deux familles d'auteurs se sont lancées à nouveau dans l'aventure de la revue en bande dessinée, qu'elle soit sur le papier ou désormais, parce que nous avons basculé dans une ère moderne, que ce soit sur les écrans et en revue numérique. Et nous allons parler effectivement avec des auteurs qui représentent ici à la fois Professeur Cyclope, revue qui s'est lancée en mars 2013, et d'autres qui représentent la revue dessinée, revue qui s'est lancée en septembre 2013. Il n'y a pas de hasard ni de coïncidence, juste le train de l'histoire. Je les rejoins. Alors, avec nous, Anaïck Plassard qui a été dès le départ dans cette aventure de Professeur Cyclope, parce que vous êtes depuis déjà un certain nombre d'années persuadé de la pertinence des outils numériques et du récit en bande dessinée sur les outils numériques. Vous allez nous en parler, ouais. On va commencer avec vous. À côté de vous se trouve David Servenet. David Servenet est journaliste. Eh oui, personne n'est parfait. Et en l'occurrence, David Servenet est l'un des cofondateurs de la revue dessinée, revue dont il nous dira les tenants et les aboutissants, mais dont on peut tout de suite préciser que c'est un auteur de bande dessinée qui en a eu le souhait, ou exprimé en tout cas, formalisé le souhait au départ, Franck Bourgeron, et vous nous direz pourquoi, puisque vous l'avez fréquenté dès le début. Et puis à ses côtés, Étienne Davodeau, auteur de bande dessinée, scénariste, dessinateur, et aujourd'hui journaliste. Pendant très longtemps, il a refusé de se dire journaliste, même si le réel l'a titillé assez vite, même s'il a très longtemps dit que le réel irriguait ses récits de fiction avant que de mettre un peu de fiction dans son réel. Et puis bon, bref, il a fini par franchir le cap et le pas, et désormais il a arpenté récemment l'Hexagone avec un autre journaliste, Benoît Colomba, journaliste essentiellement radio à France Inter, pour une série d'enquêtes qui ont donné lieu à une série d'articles dessinés dans la revue dessinée avant que de devenir un livre de bande dessinée qui s'appelle « Cher pays de notre enfance »,
cœur des années... C'est quoi le sous-titre, rappelez-moi, Étienne Davodeau, de cette affaire-là ? Je vous laisse dire, parce qu'en plus, vous assumerez la responsabilité. C'est une enquête dans les coulisses de la Ve République. Ah oui, non, mais je crois que vous avez dit les années... Ah oui, les années de plomb, tu veux dire. Les oui, années pardon, de plomb de la Ve République. Vous c'est une expression qu'on a utilisée, qu'on n'utilise pas d'habitude pour la politique française, mais plutôt italienne, mais qu'on a souhaité utiliser ici. Ou allemande, ici. Absolument. Oui. Nous y reviendrons. Alors, on attaque un peu, Annaïk Plassard, comment est née l'idée de Professeur Cyclope ? Bah, j'imagine un soir de festival, comme souvent plein d'idées. Alors moi, je n'étais pas là au tout début de la genèse de Professeur Cyclope. Je suis arrivée peu de temps après. Mais donc, ça a germé dans la tête de cinq auteurs de bande dessinée qui sont Bruno, Gwen de Bonneval, Cyril Pedrosa, Hervé Tancrel, Fabien Velman, qui sont aujourd'hui tous nantais, mais ce n'est pas leur seul point commun. Et, ils ne l'étaient pas à l'époque. Ils sont rapatriés ou expatriés pour le projet. Enfin, à l'occasion du projet plutôt. Et, en tout cas, je pense que le premier élan, c'était l'envie de faire quelque chose en numérique. La sensation même qu'il fallait faire quelque chose en numérique, puisqu'on avait tous été témoins de ce qui s'est passé pour l'univers de la musique, que ce sont les artistes qui en ont presque le plus pâti, qui en ont beaucoup pâti en tout cas, et puis avec l'idée qu'il y avait une vague qui arrivait, et que si on ne faisait rien, elle allait nous engloutir. La sensation que du côté des éditeurs, ça ne bougeait pas. Ils en parlaient beaucoup, mais ça n'avançait pas. Et puis en plus, donc, dans cette équipe de 5 personnes, il y en avait plusieurs qui avaient créé la partie bande dessinée du syndicat des auteurs de bande dessinée. Et du coup, ils étaient aux premières loges pour constater qu'il y avait vraiment un blocage du côté des éditeurs sur le principe des droits d'auteur pour le numérique, en fait. C'est-à-dire que les éditeurs voulaient s'attribuer pour une période beaucoup trop longue les droits numériques, alors qu'ils n'avaient pas d'expérience, pas d'expertise dans le domaine. Donc je pense que ça fait partie des choses qui leur ont donné très envie de se lancer eux. Alors il y a aussi l'envie en tant qu'auteur de faire, pas que par contradiction, juste l'envie d'aller explorer ce terrain-là, en fait, d'un point de vue narratif, d'un point de vue artistique. Et puis une grosse envie de faire d'avoir un projet collectif, tout simplement. Alors, on évoquait là à l'instant les droits d'auteur. Je rappellerai, j'évoquais Pilote, que Goscinny et Uderzo avaient eu à l'époque une grosse contrariété avec leur éditeur de l'époque, se sentant floués sur un certain nombre de droits d'auteur. Il y a donc toujours une partie revendicatrice, militante chez les auteurs quand ils s'engagent peut-être dans une aventure collective comme celle-ci, qui est à côté, si ce n'est contre, l'édition traditionnelle. Comment s'est lancée l'idée, comment a germé l'idée de la revue dessinée, David Servenay ? De la même manière, à l'issue d'une longue soirée dans un festival et après quelques verres. Non, ça, en plus, ça s'est vraiment passé comme ça, puisque de la même manière, c'est un petit groupe d'auteurs de bande dessinée au départ, à savoir Franck Bourgeron, Sylvain Ricard, Chris et Olivier Jouvray, qui au départ donc ont eu cette idée. Alors, le point commun avec Professeur Cyclope, c'est qu'il y avait le même engagement de la part d'un certain nombre de ses auteurs dans le syndicat national des auteurs de bande dessinée, donc qui effectivement discutaient beaucoup de la question des droits numériques. En gros, l'idée étant que les éditeurs étaient sur une ligne, on va adapter le régime du droit d'auteur, donc 70 ans après la mort de l'auteur, on a la possession de ces droits à l'univers numérique, ce qui était considéré comme inacceptable pour les auteurs, donc les négociations s'enlisaient. Et puis l'autre dimension qui est importante, c'est la dimension économique, parce que, comme Annaïk le disait, en fait, un des problèmes de la bande dessinée aujourd'hui, enfin en tout cas tel qu'il se posait en 2013, c'est une grande précarité, une précarité de plus en plus importante de la part des auteurs. Et donc à la fois il y a un projet éditorial, sur lequel on pourra revenir, qui est un projet, on va dire, à dimension politique, une forme d'engagement politique de la part des auteurs, mais il y a aussi, c'est aussi une solution économique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, puisque finalement la richesse, la valeur de ce qu'on fait est beaucoup entre les mains des auteurs, pourquoi ne pas s'organiser pour créer une sorte de deuxième guichet par rapport aux éditeurs,
proposer aux auteurs des conditions économiques de collaboration qui soient plus favorables, pas simplement par pure philanthropie, aussi pour entraîner des talents derrière nous, et assurer aux gens avec qui on va travailler des conditions de vie qui soient un peu plus acceptables que celles que leur proposent les éditeurs. Voilà, donc ça, c'est un peu la trame de fond, associée au fait que, dans ton relevé, Jean-Christophe, de l'histoire un peu des revues, tu as peut-être oublié une revue comme À Suivre, par exemple. Alors que j'ai tout depuis le premier numéro. Non, mais, qui n'est pas forcément une revue d'auteur. Oui, alors c'est vrai. C'est-à-dire que je l'avais mis face à Métal Hurlant, qui était une revue d'auteur. À Suivre était une revue d'éditeur, de Casterman. C'est vrai. Mais qui a été précurseur sur bien des points, à la fois en fiction et en BD du réel ou du reportage, on peut en reparler. Et donc, il y avait là, en termes un peu historiques, une espèce de trou. C'est-à-dire que depuis des années, il n'y avait plus de revue d'auteur, en tout cas. Voilà. Et donc, c'est aussi la dimension du projet collectif à ce moment-là qui s'est un peu imposée. Et très vite, alors en l'occurrence sur l'histoire, pour revenir à la revue dessinée, moi je suis arrivé quelques semaines après qu'ils aient un peu formalisé tout ça. Et comme le projet était de faire une revue d'information en bande dessinée, ils se sont dit qu'il serait utile d'avoir un journaliste dans l'équipe. Voilà, et c'est tombé sur moi. Alors, vous évoquiez. À Suivre, on aurait pu aussi parler de Circus. En fait, il a existé un certain nombre de revues de bande dessinée qui sont toutes, il faut bien le dire, mortes de leur belle mort au moment de l'évolution de l'usage, de la consommation de la bande dessinée. Les lecteurs n'étaient plus en mesure d'attendre une semaine, un mois à suivre, justement. C'était marqué au bas de la page, à suivre. Donc rares sont celles qui avaient survécu, Spirou, Mickey un peu, mais pas vraiment les autres. Dans les raisons que vous avez évoquées, il en manque peut-être une. Il manque peut-être celle, justement, de la marque, l'imprégnation de ces revues de bande dessinée dans la tête des auteurs eux-mêmes. Est-ce que, Tienne Davodeau, vous avez été marqué par des revues avant de participer et avant de faire de la bande dessinée? Est-ce que des revues de bande dessinée vous ont marqué dans votre apprentissage, dans la manière dont vous avez grandi avec l'image? Les choses se sont passées d'une façon assez frustrante, puisque toutes les revues qui m'intéressaient à l'époque où je commençais à envisager de faire de la bande dessinée ont disparu au fur et à mesure où je pouvais éventuellement m'en approcher d'un point de vue professionnel, puisque à suivre... Parlais là quand vous étiez jeune. Alors quand j'étais plus jeune... Enfin, vous l'êtes encore, mais vous avez enfin 50 ans. Donc... moi, j'ai grandi avec des revues dont on n'a pas parlé, qui sont les revues du groupe Fleurus. J'ai grandi dans un petit coin de France où ces revues pour enfants d'obédience catholique de gauche, disons, les cathos de gauche, on appelait ça, donnaient à leurs enfants des revues qui étaient, alors j'ai plus les noms en tête, mais ça va être Perlin Papin, Fripounet, etc. C'était pas des revues de bande dessinée, mais c'était des revues qui comportaient beaucoup de bande dessinée. Et moi, enfant, la première forme de bande dessinée à laquelle j'ai eu accès, c'est celle-là. Alors ce sont des auteurs qui n'ont pas forcément laissé une grande trace dans l'histoire de la bande dessinée, encore que des gens comme François Bourgeon y ont démarré, par exemple, ça je l'ai compris bien après. Mais j'ai commencé à lire la bande dessinée dans ces revues-là, dans ces revues auxquelles on m'abonnait. Donc j'étais abonné toute mon enfance à ces revues, donc on en changeait en fonction de l'âge qu'on franchissait. Et puis ensuite, les revues ont un peu disparu de mon champ d'expérience et j'ai commencé à lire des livres, enfin à l'époque on disait des albums de bande dessinée, c'est un terme que je n'emploie plus. Et quand j'ai commencé à envisager l'hypothèse de devenir moi-même auteur de bande dessinée, mon fantasme, c'était le livre. C'est-à-dire que je n'envisageais que mon projet de bande dessinée que sous forme de livre. La situation me l'imposait aussi, puisqu'encore une fois, les revues qui auraient pu être des champs d'expérimentation pour des jeunes auteurs ou à qui on proposait de faire quelques pages, puis encore quelques pages, puis encore quelques pages, avaient disparu. Donc, à la fin des années 80, quand j'ai commencé à démarcher les éditeurs, c'était pour proposer des récits longs sous forme d'albums. Et des récits qui n'auraient pas pu, à l'époque, s'inscrire dans le chapitrage classique de la revue. Vous conceviez vos histoires comme un tout, comme déjà du roman graphique. Oui, alors sauf qu'à l'époque... moi j'ai commencé à essayer de placer des livres chez des éditeurs à la fin des années 80. On était encore dans les formats traditionnels de la bande dessinée, le fameux 46 pages carton couleur. Et c'était, pour un auteur qui voulait placer son premier livre,
il était prudent, disons, de concevoir un livre qui rentre à peu près dans ce format, puisqu'on personne ne nous attendait. Il fallait se plier en quelque sorte au modèle dominant éditorial, et c'était celui-là. Donc mes premiers projets étaient des récits d'une cinquantaine de pages, disons, en grand format. Enfin voilà, tel qu'on connaît la bande dessinée de l'époque, quoi. Et vous avez pu évoluer en même temps que les éditeurs ou faire évoluer les éditeurs? Vous parliez à l'instant de vos origines, quelque chose comme Les Mauvais Gens qui fait combien de pages? De 200 pages, ouais. Dans un format qui n'est pas celui traditionnel du 46 pages couleur, qui est plus ramassé, qui est celui du roman qu'on tient en main. Il a été accepté tout de suite chez Delcourt quand le premier livre que j'ai fait dans cette veine-là, c'est Rural, qui a été publié en 2001. Qui est un tout petit peu moins épais, qui fait 170-180 pages, je ne sais plus. Ce sont des livres qui étaient très compliqués à proposer à l'époque, puisque c'était du noir et blanc, c'était du petit format, c'était une pagination haute. Donc ce n'est pas juste une question de forme, c'est une question de principe éditorial. Ça ne correspondait pas à ce que les éditeurs voulaient qu'on leur propose. Donc c'était compliqué. Mais cette envie-là nous venait à nous auteurs, et ça revient un peu à ce qu'on disait, c'était des envies d'auteurs qui parfois doublaient ce que nous proposaient les éditeurs, c'était d'aller vers des récits plus longs, d'aller vers des récits qui correspondent à quelque chose qu'on portait soi-même intimement, des récits qui se rapprochaient du reportage. Et quand un cadre éditorial ne permet pas ça, soit on arrive à forcer la porte, mais ce n'est pas évident quand on est jeune auteur, soit on se prend en main puis on crée des revues. Alors on va faire le saut, on arrive en 2013, au moment où Professeur Cyclope va arriver sur les tablettes, parce que vous avez fait un choix, Professeur Cyclope, qui est celui du, au départ en tout cas, zéro papier. Comment ça a été une affirmation, une revendication? Mais en fait, c'est constitutif du projet, c'est-à-dire que c'est pas, l'idée n'est pas venue de se dire, tiens, on va faire une revue, et si on la faisait en numérique, c'était vraiment, ça a été créé pour s'exprimer sur les écrans. Sur la forme, il y avait beaucoup de points de réflexion à avoir, puisqu'il y a quand même beaucoup de formes possibles différentes, même quand on a fait le choix du numérique. Et du coup, c'était pas uniquement. Alors déjà, c'était pas en opposition au papier, ça c'est important de le dire, c'est-à-dire que c'est pas. Le but, c'est pas de faire la peau, de remplacer la lecture sur papier. C'est juste de lui apporter un complément et. Je pense que ça correspond à des moments différents, ça rentre dans la vie des lecteurs de façon différente et ça permet des choses, dans la narration, ça permet des choses différentes. Donc c'était juste un complément. On ne s'est pas dit zéro papier, puis ensuite c'était un renoncement d'arriver en album. C'était juste que l'idée de base était d'apporter un espace d'expression à des auteurs en numérique, en bande dessinée. Et que ensuite, on avait déjà cette envie de pouvoir sortir certaines histoires quand c'était pertinent en album papier. Et donc, ça, on a d'abord créé le magazine et ensuite on a cherché un partenaire éditeur pour créer les albums. On y viendra, mais tout ne peut pas être en album parce que justement, vous avez pensé les choses dès le départ pour le numérique, c'est-à-dire que. Les gens un peu âgés comme moi qui ont du poil blanc ont eu du mal à comprendre certains mots au départ de ce que vous disiez. Scrolling, qu'est-ce qu'il y avait encore? Qu'est-ce qu'on peut comme mot barbare? Qu'est-ce que vous Turbomédia. Turbomédia. Tapping. Comment? Tapping, c'est juste le fait de. C'est le tap de, sur la ta, fin, ouais. de la tablette. Le GIF animé. Le GIF animé, alors ça, le GIF animé, maintenant ceux qui tweetent savent à peu près de quoi il s'agit. Ouais. Mais. Il y a des choses qui ont été spécifiquement faites pour ça. Vous parliez du Turbomédia, si je ne m'abuse, l'invention d'un auteur français, qui désormais est reconnu comme tel dans le monde entier. En quoi consiste Turbomédia? Alors, je ne sais pas si vous avez les moyens là, de faire tout en même temps, de faire du tapping en même temps que vous faites du speaking. On va voir. Le Turbomédia, en fait, c'est tout simplement un nom un peu rock'n'roll pour une version très adaptée à la bande dessinée du diaporama, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, par exemple? Je vais éviter les choses avec du son, mais par exemple, un mélange de... Donc, voilà. Là, en plus, il utilise... C'est intéressant parce qu'il utilise la mise en scène de la... Ça peut être que du case à case, mais là, il utilise en plus
pas sous forme de planche, mais sous forme d'écran, quoi. Vous venez de le voir, c'est à la fois effectivement une animation, mais c'est aussi une application du lecteur. C'est-à-dire qu'on peut travailler, lire, regarder, animer à son rythme. Oui. Cette implication-là qui n'existe pas dans le dessin animé, qui n'existe pas dans le film. Bah c'est en fait, on explore, on va chercher, jouer avec les limitations de ce que c'est l'essence de la bande dessinée, mais il y a quand même une frontière assez nette entre l'animation et la bande dessinée, c'est la passivité, enfin la part de ce que le rôle du rôle du lecteur est beaucoup plus importante dans la bande dessinée, et donc nous la plupart du temps on se situe de ce côté-ci de la barrière, quoi. On aurait envie de voir la suite, mais on ne va peut-être pas vous embêter. Simplement, dans ces tentatives, dans ces inventions, dans cette démarche, en fait, le chemin compte autant que le but, il y a des choses qui vous ont semblé intéressantes au départ, et puis que vous avez éventuellement... les auteurs ont dit non, finalement, c'est moins intéressant qu'on ne le croyait, et puis d'autres qui ont révélé des potentialités insoupçonnées. Mais... En fait, le Turbo Média, on a continué à avoir des bonnes surprises. C'est Sacha Gern, notamment, au bout de 6 mois à peu près de revue, avec le sourire de Rose, qui nous a proposé quelque chose de tellement... En fait, ça réconciliait super bien une forme de tradition du dessin. Enfin, il faisait de l'aquarelle et en même temps, il l'utilisait... d'une façon qui semblait peut-être naturelle, le Turbo Média. Donc, si vous allez sur Internet, Görg, il faut chercher G-O-E-R-G, ouais. Sacha Görg. Ça a continué de nous surprendre dans le bon sens. Je sais que le GIF animé a déstabilisé pas mal, notamment ce que faisait Stéphane Villemin, qui était dès le début avec l'ICN dans la revue, ça c'est pareil, je peux en montrer un extrait par Bien exemple sûr. Mais c'est une exploration, mais en même temps c'est intéressant, je trouve que ça vient titiller le lecteur et les limites, quoi, en fait, de ce que chacun... Alors, Stéphane Vuillemin, qui n'a rien à voir avec Vuillemin, qui était dans la grande époque de l'école. Alors, moi, des j'ai Sables. Un souci, je ne sais pas comment on fait le Stéphane sur Mac, Vuillemin qui s'est spécialisé dans le GIF animé. Si vous allez sur son site, vous allez trouver facilement, vous verrez, c'est quelqu'un qui collabore à au moins, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine, trentaine de revues sur des sites de revues à travers le monde. Et puisqu'aujourd'hui, quand je dis les revues, pardon, les journaux, les principaux journaux mondiaux ont tous une déclinaison désormais sur Internet. Et en l'occurrence, sont à la recherche de gens qui pourraient, comme il s'est inventé à un moment donné le dessin de presse, le plantu à la une du monde après 68. Désormais, on cherche pour les nouveaux médias à trouver des gens qui puissent inventer le dessin dans de nouveaux formats numériques. Stéphane Vuillemin est spécialisé là-dedans. Mais en fait, ouais, c'est cette accumulation-là, superposition... Juxtaposition, plutôt, pour être tout à fait juste, de gifs animés qui tournent en boucle, ça frotte un peu, quoi, ça pique un peu les yeux, mais je pense que ça fait partie de son... Souvent, de toute façon, ce sont des histoires qui gênent, pareil, qui frottent même dans ce qu'ils racontent, quoi, dans le contenu. Donc ça fait partie des choses dont on a entendu parler en bien, des gens qui crient au génie et d'autres qui disent que ça les a gênés. Mais en même temps, nous, on trouve ça chouette d'avoir des réactions, quoi. Donc on a dit scrolling, on a dit gif animé, on a dit tapping, et certains mélangent tout ça, certains... Ouais. Alors le son par exemple aussi, c'était une question intéressante. Je sais que Gwen Hervé, qui sont le rédacteur... Gwen de Bonneval, ouais, et Hervé, ouais, Tancrel, qui sont le rédacteur en chef et directeur éditorial, disait juste... Jusqu'à présent, on n'a pas vu de quelque chose de convaincant dans l'accompagnement sonore de bande dessinée. Et puis en fait, c'est Thomas Mathieu qui, avec l'histoire Le Portail, à un moment de la version mensuelle de la revue, qui a apporté quelque chose qui avait vraiment du sens, en fait. Et du coup, ça, on était contents de se dire si, en fait, ça fera partie des choses qu'on a proposées et qui ont du sens aussi. Mais c'est compliqué parce que soit... les sons apparaissent de façon très ponctuelle au clic,
soit il faut travailler un peu comme en, dans le jeu vidéo, c'est-à-dire faire des longues boucles et travailler sur une sorte de temps moyen de lecture du lecteur, quoi, qui est toujours sujet à erreur, parce que le principe de la bande dessinée, c'est qu'on peut la commencer, la quitter et y revenir. Donc le son, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Et c'est ce qu'a exploré aussi Cyril Pedrosa dans l'histoire, dans le dernier numéro paru, Les Jolis Flots, où lui, il a tout mélangé, le gif animé, un peu Cyril d'animation. Pedrosa, vous le connaissez peut-être pour le travail qu'il avait fait de longue date, Autobio, dans Flux Glacial, ou plus récemment dans Portugal, ce grand récit autobiographique paru chez Dupuis, si ma mémoire est bonne, ou encore Les Équinoxes, qui est sorti cette année, qui est une tentative, à mon sens très réussie, de récit littéraire en bande dessinée, Les Équinoxes. Mais dans, effectivement, la dernière proposition éditoriale que nous propose le professeur Cyclope, qui a pour nom... Usine à gaz. Sur le thème du dérèglement climatique. Et oui, on est très COP21 chez professeur Cyclope. Et eh bien, sa proposition est très intéressante parce que comme il n'a pas qu'une corde à son arc, il a fait la musique, il a composé les paroles et il a dessiné un récit que vous pouvez parcourir à votre rythme en tapping, puisque c'est ainsi, ou en scrolling, je ne sais pas quel... C'est au clic, quoi. Au clic. Ça, selon qu'on est sur tablette ou et pour autant, et pour autant, la musique continue, comme un flow musical qui accompagne quel que soit le rythme de votre choix de lecture graphique. On reviendra avec vous tout à l'heure justement autour de cette proposition que vous avez faite sur le climat. Peut-être revenons maintenant à la revue dessinée. Une fois qu'on aura dit quand même que professeur Cyclope, aujourd'hui, si j'ai bien compté, ce sont quelques 70 auteurs déjà qui ont participé. Vous en êtes à votre 20e numéro de Professeur Cyclope, plus des propositions éditoriales alternatives. Oui, oui. Donc c'est riche, c'est très riche. Pour ce qui est de la revue dessinée, aujourd'hui, allez, j'ai essayé de faire le même travail, de calculer le nombre d'auteurs qu'il y avait, environ 130 auteurs ont participé aujourd'hui à la revue dessinée, qui en est à son 10e numéro sorti. Le 11e est quasiment sous presse. Enfin, le chemin de fer est bien travaillé, on va dire ça. On a attaqué le bouclage aujourd'hui. Vous avez attaqué le bouclage. Ouais. Et vous êtes parti, non pas sur cette proposition, je dirais, qui est la fiction et l'invention technologique au service de la fiction. Vous êtes resté sur le papier, donc sur une manière de faire de la bande dessinée sans doute plus classique, quoi qu'on pourrait en discuter. Et en revanche, pour creuser une veine qui est explorée depuis les années 90, mais qui commence juste à devenir très, très émergente, qui est celle de la bande dessinée du réel sous toutes ses formes. Oui, on a été beaucoup moins audacieux que les gens de Professeur Cyclope, il faut le dire, très clairement. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, puisque... éventuellement, les gens qui n'auraient pas idée à quoi ressemble la revue dessinée. Donc nous, on est effectivement d'abord une revue papier, trimestrielle, pour des raisons économiques. On a aussi tout de suite fait le pari du numérique avec une application sur l'Apple Store, mais qui très vite s'est avéré être un non-modèle économique, c'est-à-dire que si on était resté uniquement sur le numérique, nous n'existerions plus aujourd'hui. Et on peut déjà tout de suite le dire, sur l'App Store, on ne trouve plus. Alors, la revue dessinée, plus sur notre application, en fait, maintenant, on est présent sur toutes les différentes plateformes de distribution numérique. Mais mes copains qui ont la fameuse tablette de chez Monsieur Jobs, ils ne peuvent plus lire la revue dessinée. Alors, ils peuvent, mais pas sur l'application. Voilà. Mais bon, bref, sur d'autres plateformes, mais qu'on peut toujours, sur lesquelles on peut toujours accéder grâce à. iPad, voilà. Donc en fait, la revue dessinée vit et survit aujourd'hui grâce au papier, puisqu'on... vit bien. Pas trop mal, en tout cas. Et parce que, grâce aux abonnés qu'on a, on en est à 5000 abonnés maintenant, on a un tirage de 20000 exemplaires à peu près. Et voilà. Et donc là, vous avez la couverture du dernier numéro avec le sommaire.
On voit tout de suite les différents styles graphiques qui se côtoient. On y viendra après. J'aurais été tenté à un moment donné de dire qu'il fallait sans doute avoir un style graphique plus efficace, plus lisible, moins onirique, baroque, que peuvent se le permettre les auteurs, par exemple, de Professeur Cyclope. Mais tout ça est battu en brèche dès que vous lisez la revue dessinée. Donc, Alors, c'est vrai qu'en en termes de contraintes formelles, parce qu'on en pose quand même un certain nombre aux auteurs, il y a une des contraintes qui, pour nous, est très forte, est celle de la pédagogie, en fait. Parce que quand on raconte une histoire, une histoire d'information, puisque les histoires qu'on raconte dans la revue sont des histoires qui sont liées à l'actualité. Une de nos préoccupations constantes, c'est ça, c'est de servir le propos d'une manière pédagogique, ce qui pousse aussi, d'une certaine manière, les auteurs à la fois à abandonner un certain nombre de codes de la fiction. Je vous donne un exemple, mais on a souvent la proposition d'auteurs de bande dessinée de nous dire on va avoir un personnage, un narrateur, pour raconter un fait d'actualité ou un phénomène, une histoire, qui sera un narrateur fictif. Et là, en général, on dit non, ça ne va pas être possible, parce que si on introduit un élément fictif dans un récit du réel, ça peut entraîner une certaine confusion pour le lecteur. Alors, ce n'est pas un dogme absolu, on y a déjà parfois dérogé, mais à condition de rendre les choses explicites pour le lecteur, de ce point de vue-là. Et ce qui nous pousse aussi, du coup, à cultiver effectivement des styles qui sont, j'allais dire, parfois peut-être moins baroques, en quelque sorte, que ce qu'on peut trouver dans des revues de fiction. À proprement parler, là par exemple vous avez donc une enquête dont je suis l'un des co-auteurs sur la mort du juge Borel qui a été assassiné en 1995 à Djibouti. Donc on évoque une affaire judiciaire avec des documents que vous voyez là notamment sur la page de droite qui sont des documents de l'enquête judiciaire, et tout ça évidemment contraint les auteurs, je pense. Je serais curieux d'avoir l'avis d'Étienne là-dessus, mais à s'insérer dans un cadre qui n'est pas le cadre de la fiction, en fait, qui est peut-être un peu plus contraignant. Et de la même manière, dans ce dispositif éditorial, puisqu'à chaque fois, on clôt le sujet en bande dessinée par donc, une double page qu'on intitule « En savoir plus », il y a un dispositif éditorial, j'allais dire, plus classique, traditionnel, qui est plus issu de la presse, en fait, donc avec ces pages qui donnent des ouvertures sur un aspect du sujet, mais qui n'a pas été traité dans la bande dessinée, ou un aspect documentaire pour expliciter un certain nombre de choses ou de références dans les livres qu'on peut lire ou des films qu'on peut voir sur le même sujet. Voilà. On va revenir à vous, David Servenay, mais vous aviez la tentation légitime et fort bienvenue de donner la parole à Étienne Davodeau. Si on peut voir d'ailleurs quelques images du travail d'Étienne avec Benoît Colomba, que tu vas voir sur l'écran, je pense, devant toi, Étienne. On évoquait le narrateur. Ici, le narrateur se met en scène, les narrateurs se mettent en scène, c'est-à-dire que dans cette histoire, dans ce récit, dans cette enquête, et j'assume les trois mots, histoire, récit, enquête. Vous partez réellement du réel, puisque, Étienne, vous avez répondu sans doute à l'invitation de Benoît, ou Benoît a répondu à votre sollicitation, ou plutôt David Servenay, ou je ne sais qui, vous a marié. Comment ça s'est passé, Étienne, d'ailleurs, cette affaire-là ? D'un point de vue éditorial, la revue dessinée est aussi une agence matrimoniale, puisqu'une de leurs fonctions, enfin une de leurs façons de travailler, c'est de mettre en contact des gens qui sont par exemple journalistes et auteurs de bande dessinée, ou scientifiques et auteurs de bande dessinée, ou sociologues et auteurs de bande dessinée. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir inciter à la production de récits de bande dessinée extrêmement documentés sur des sujets très singulier. Alors le sujet que Benoît Colomba et moi avons traité, c'est donc cette enquête. Répondez d'abord à la question qui est allé chercher qui. J'y venais. Donc en gros, là, pour répondre plus directement, je connaissais, j'ai assisté de loin à la naissance de la revue dessinée, puisque ce sont des gens que je connaissais
par avance, et notamment Chris, avec qui j'avais co-réalisé Un homme est mort. Chris, scénariste, notamment d'Un homme est mort, ouais, avec Étienne Davodeau. Et co-fondateur de la revue dessinée. Et donc un jour, on m'a proposé de venir déjeuner. Dans un guet-apens, oui. On m'a proposé de me faire rencontrer un gars qui serait peut-être intéressant que je rencontre, qui s'appelle Benoît Colomba. Que je connaissais, Benoît Colomba est reporter à France Inter. Les auteurs de bande dessinée dessinent beaucoup en écoutant la radio, donc je connaissais déjà le travail de Benoît Colomba. J'avais lu son livre sur le suicide, entre très gros guillemets, de Robert Boulin, ministre. Et donc, j'ai rencontré Benoît sous l'auspice bienveillant de mes camarades de la revue dessinée, et il s'est avéré très vite que ce qu'il connaissait de la Ve République et ce que j'aimais raconter en bande dessinée pouvaient sans doute se conjuguer. Et très vite, on est venu à l'hypothèse d'aller explorer cette histoire récente de la Ve République, cette histoire qu'on connaît mal et qu'on connaît, voire très mal, de cette guerre des droites dans les années 60-70. Et donc, on a rapidement mis au point le plan d'un récit dont on avait convenu que la revue dessinée publierait des chapitres. Il s'est avéré que la richesse du sujet faisait que un livre pouvait très facilement s'imaginer à la suite de tout ça. Donc la revue dessinée était à l'instigation, au démarrage, puisque c'est eux qui ont favorisé la rencontre entre Benoît Colomba et moi-même. Ils ont publié les deux premiers chapitres du livre, qui a lui-même été publié chez Futuropolis il y a 2 mois à peu près. On les avait trouvés dans les numéros 5 et 7, si 5 je et 7 de, la, pas, revue de la revue dessinée. Alors, ce sont des chapitres assez conséquents puisqu'ils font respectivement une quarantaine et une cinquantaine de pages, soit l'équivalent du format dont on parlait tout à l'heure, du format traditionnel chacun, d'un livre. Chacun. Là, il s'agit simplement d'un chapitre. Mais ce sont des sujets denses et ce sont des sujets effectivement où nous nous mettons en scène, Benoît Colomba et moi-même, parce que ce sont des sujets que nous abordons de façon subjective et dont nous ne prétendons pas raconter autre chose que ce qu'on en découvre nous-mêmes en allant contacter des témoins de l'époque, en racontant à la fois ce que des témoins nous racontent, ce qu'ils ne nous disent pas. On parle aussi des témoins qui ne veulent pas nous rencontrer. On parle de nos échecs, de nos doutes. Et donc, cette façon de mettre en scène les coulisses, en quelque sorte, de l'enquête, permet au lecteur d'avancer à terrain découvert, en quelque sorte. C'est-à-dire que voilà, le lecteur sait à peu près où il en est de notre travail, puisqu'on lui montre la façon dont on progresse ou dont on ne progresse pas, voire dont on piétine. Dans ce que vous dites, il faut comprendre que la bande dessinée permet des choses qu'un autre moyen d'expression, que ce soit le documentaire télévisé, que ce soit l'enquête radiophonique, je me montre parce que je suis journaliste radio, mais que ce soit la presse écrite, n'aurait pas permis. Ah, je suis absolument convaincu de ça, moi, depuis une quinzaine d'années, depuis le livre Rural dont je parlais tout à l'heure, qui était ma première tentative dans ce domaine-là. La bande dessinée, elle a des possibilités, des capacités pour raconter le réel, pour faire court, qu'on sous-estime et qu'on n'a encore pas fini d'explorer, je pense. Et l'existence de la revue dessinée est un bon moyen d'explorer tout ça. À titre personnel, moi, je vais évidemment continuer à le faire, mais c'est vrai que sa légèreté technique, la proximité qu'elle permet avec les gens qu'on rencontre, sa légèreté économique aussi, j'allais dire. C'est-à-dire que ça ne nécessite pas grand-chose d'autre qu'une vraie motivation d'un auteur et d'un éditeur. On n'a pas besoin d'avoir des producteurs ou des gens qui vont, du coup, en mettant de l'argent, se sentir obligés de donner leur avis sur ce qu'on est en train de faire. Et donc, tout ça fait qu'on a, on a là un outil dont il faut encore largement explorer les capacités. Vous avez d'ailleurs des techniques de bande dessinée qui peuvent aussi prêter, fort intéressante et prêter à sourire. Telle personne ne veut pas qu'on la reconnaisse. Hop, vous lui faites une autre tête et vous le dites. Elle n'a pas cette tête-là. L'important, c'est de le dire. C'est simplement de... Voilà, quand on rencontre le greffier du juge Renoir, on dit le greffier, mais c'est une femme, elle accepte de nous parler, mais elle ne veut pas être dessinée. Quand bien même, elle n'aurait aucune inquiétude à avoir, vu les capacités techniques de M. Davodeau. Absolument. C'est ce que je lui ai dit, mais ça n'a pas suffi à la rassurer. Toujours est-il que voilà, si je faisais un reportage en vidéo, j'aurais ces fameuses séquences floutées dont la télévision est actuellement saturée. On voit parfois des séquences où les personnages, les logos sur leur t-shirt, voire le décor est flouté. Donc on est dans l'anonymage, absolument, c'est plus une image. Là, simplement, je montre cette personne nous parlant, mais changeant 3 ou 4 fois de visage. Et donc j'explique au lecteur que, bon, évidemment, elle n'a pas ce visage-là, mais c'est pas grave. Elle nous parle, ce qu'elle nous dit, c'est ce qu'elle a vécu, et ce qui est important, c'est ce qu'elle nous dit. Avant de revenir à vous, c'est marrant, j'allais me dire chez David Servenet, est-ce qu'il y a des trouvailles
de bandes dessinées qui vous ont enthousiasmé dans les différentes propositions d'articles, puisque ce sont des articles qu'on vous a fait. Alors oui, y en a plein. Juste en amont, ce que je trouve formidable dans la bande dessinée et dans l'acte de faire de l'information en bande dessinée, ça commence par la collecte. Vous n'imaginez pas à quel point, quand vous êtes reporter, que vous allez sur le terrain, y a beaucoup de gens qui se méfient, parfois à juste titre, de la démarche des journalistes. Et quand vous arrivez avec un appareil photo ou un micro, comme tu le sais, ou une caméra, on suscite tout de suite de la distance et un réflexe de méfiance. Quand vous arrivez légitime. Légitime, plus ou moins légitime, enfin bon, qui est, en tout cas qui est très fréquent et très partagé aujourd'hui par beaucoup de gens. Quand vous arrivez avec un dessinateur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le dessinateur se pose dans la rue ou dans l'endroit où il est, il commence à croquer, et le fait de croquer le réel n'est pas un acte agressif, et immédiatement, vous pouvez être sûr qu'au bout de, enfin, au bout de 5 minutes, il y a un groupe autour de lui et qui commence à discuter. Ça suscite l'empathie. Vous voulez dire quelque chose, oui, Anaïk Plassard ? Et ça, c'est, quand on est reporter, c'est un outil qui est formidable. Enfin, déjà, pour simplement prendre connaissance du réel et rentrer en contact avec les gens qui vont vous parler, vous raconter leur vie, etc. Moi, j'ai mon hypothèse par rapport à ça, c'est que on est saturé d'images, d'informations qui se donnent comme étant le réel, qui se donnent comme étant la vérité. Or, évidemment, on est obligé de se le rappeler parfois, mais il y a toujours forcément un cadrage, un choix de ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on montre, les mots qu'on choisit, tout ça. Sauf que, enfin, moi, j'ai plus la télé depuis longtemps pour me décontaminer, mais enfin, on souffre beaucoup de ça, et qu'au moins dans le dessin, dans la bande dessinée, la subjectivité, elle est donnée directement, quoi. Donc, il n'y a pas de tricherie avec ça, et que je pense que c'est ça qui séduit, y compris les gens auprès de qui vous allez chercher les informations, en fait. Ouais. Et alors, David Servenet. Et justement, après, donc, dans la restitution du réel, parce qu'effectivement, une fois qu'on a posé, le dessin est un regard forcément subjectif sur la réalité. Subjectif, assumé, obligatoire. C'est ça, c'est que la photographie l'est aussi, mais sauf qu'elle n'est pas toujours présentée comme ça, ouais, dans l'information, en tout cas. On est bien d'accord, et dès qu'on est lecteur d'un dessin, on sait qu'on a affaire à un regard subjectif. Mais et là où la bande dessinée, je pense, je partage tout à fait cette conviction d'Étienne, a beaucoup de choses encore à démontrer, c'est qu'elle a la capacité de manier une palette de langage extrêmement variée, qui va de la simple représentation d'un objet jusqu'à des modes poétiques, abstraits, qui peuvent donner à rendre une situation complexe de manière très simple. Et ça, c'est un outil qui est vraiment formidable, parce qu'en jouant sur la capacité d'abstraction ou l'art poétique des auteurs, leur maîtrise de l'imaginaire, bah vous arrivez à faire passer des choses qui ne sont pas forcément aisées à rendre dans... quand on écrit, nous on a fait une des enquêtes dont on est le plus fier à la revue dessinée, c'est une enquête sur les empreintes toxiques. Pourquoi ? Parce que les empreintes toxiques, c'est un sujet chiant et compliqué à expliquer, et par la bande dessinée on est arrivé à le rendre, et les auteurs sont arrivés à le rendre intelligible, clair et simple et accessible, et quand on réunit tout ça, on a un peu gagné notre pari, quoi. Vous vouliez rajouter quelque chose, Étienne ? Non, il m'arrive parfois, moi, puisque je rencontre parfois les lecteurs de mes récits, de mes enquêtes, de tomber sur des gens qui me disent « Mais vous avez tout dessiné, donc vous pouvez tout inventer. Donc on n'est pas obligé de vous faire confiance. » Ce qui est, à mon avis, très sain. Et je leur dis, effectivement, comme tu le dis très justement, que, évidemment, que mes images, ce sont des créations que j'ai fait moi-même, mais que ce ne sont pas plus ou moins des créations que les images du journal télévisé. Une image, c'est un cadrage, c'est un point de vue, c'est précédé d'une intention par la personne qui le fait. Et l'image vidéo, effectivement, donne la confusion qu'elle est proche du réel. L'image dessinée porte en elle sa propre honnêteté, porte en elle sa propre subjectivité, puisqu'elle est évidemment une recréation, ni plus ni moins qu'une autre, mais elle l'est de façon évidente. Et donc, c'est probablement une des vertus cardinales du dessin pour ça, c'est que les gens ne peuvent pas oublier que quelqu'un s'interpose entre ce qui est raconté et eux-mêmes en train de le lire. Alors le journaliste, très sérieux, David Servenet, a loué la part poétique de la bande dessinée. Je vous propose une pause, parce qu'on parle beaucoup, peut-être 5 minutes, pour vous montrer jusqu'où on peut aller au-delà de la bande dessinée, mais c'est encore, ce sont deux auteurs de bande dessinée
qui utilise les moyens des technologies modernes et vous propose quelque chose qu'on voit justement sur l'une des propositions éditoriales de professeur Cyclope. C'était mon dernier soir à Savannakhet. 49 jours auparavant, ma grand-mère s'éteignait dans cette maison. Je la connaissais peu et j'avais voulu rester là pendant tout ce temps. Jamais je n'ai demeuré aussi longtemps à Laos. Un ami avait prévu pour moi quelque chose de spécial. Eric était américain et vivait à Savannakhet depuis quelques années. Il parlait couramment le lao, beaucoup mieux que moi. Sur bien des points, sa connaissance du Laos dépassait la mienne, atténuée par les années d'exil. C'était un lieu inconnu, à la lisière de la ville. Je ne m'étais jamais aventurée là, dans cette zone intermédiaire où les routes s'estompent. Les maisons n'y étaient plus de ciment, mais de bois et de bambou. Les jardins étaient sauvages, de petites jungles. Eric s'était souvenu d'une curiosité que je voulais satisfaire au Laos. Manger du chien. Délicate attention. Consommer de la viande canine était une pratique un peu marginale. À Savannakhet, on pouvait plus aisément goûter du rat, des insectes ou du sang de canard frais. Eric était le seul Américain à fréquenter des Laotiens. Dans le bureau où il travaillait avec eux, ses amis là-haut étaient astreints à la langue anglaise et au port de chemise-cravate par 45 degrés Celsius, à des postes subalternes. Eric les disait très instruits, davantage que certains expatriés à haute responsabilité. Les chiens m'ont toujours inspiré une irrépressible peur. Un molosse avait failli me dévorer lorsque j'étais enfant. Je voyais en eux l'ombre de la mort. Cette scène qui se déroulait sous mes yeux dépassait en brutalité tous les films d'horreur, toutes les scènes de violence, fictives ou réelles, qu'il m'avait été donné de voir en différé sur un écran de télévision, de cinéma. C'était la vie et la mort mêlées que je pouvais toucher du doigt à cet instant-là. À mesure que le corps de ce chien se décomposait, ma peur se disloquait. J'étais spectatrice de ce qui s'opérait dans ma tête. Le minutieux sacrifice de mes terreurs enfantines. Eric s'inquiéta de mon état. Il savait ce spectacle insoutenable pour les novices. J'aurais dû m'évanouir 10 fois. J'allais très bien pourtant. Le repas fut joyeux. Nous conversions en là-haut, tout simplement. Je cessais d'être une étrangère. Eric, un expatrié. Nos hôtes, des subalternes. Les salissures et le sang scellaient une chose dont j'ignorais le nom. Dans ce jardin de nulle part, le sacrifice de ce chien avait suscité quelque chose. Je ne le savais pas encore. C'était la dernière fois que je voyais Eric. Quelques heures plus tard, je quittais le Laos. Je ne retournais plus à Savannakhet. 10 années après la nuit du chien, après le retour en France, après les deuils, après le calme revenu, je réalisais enfin. La disparition de ma grand-mère avait marqué la fin d'un monde, la fin d'un temps. Désormais, l'enfance était derrière moi. Et avec elle, mes peurs irraisonnées, mes hésitations, mes complexes. Dans cette vie qui s'annonçait, je ne devais plus rien au Laos. Pour les jours à venir, le reste du monde était à parcourir.
Voilà, c'était La Nuit du Chien. Vous pouvez nous dire qui a réalisé cette proposition graphique. Donc la voix qu'on entend, c'est Louis Fang et le dessin est de Hervé Tancrel. Louis Fang qui est scénariste. Oui, auteur par ailleurs et qui raconte un souvenir, me semble-t-il. Bon, finalement, c'est fiction ou réel, c'est pas si important, c'est la proposition qui compte. Et, voilà. Et Hervé Tancrel, qui est un auteur de bande dessinée par ailleurs, qui fait des livres, qui est l'un des créateurs du magazine. Il faut plus dire album, j'ai bien retenu la leçon de Monsieur Davodeau entre deux phrases. Et des petits Mickey. Qui fait des de très belles bandes dessinées, Hervé Tancrel, et notamment aussi avec Gwen de Bonneval. Il y a une très belle série d'adaptations de contes nordiques. Voilà, les racontars. On a vu quelque chose qui est peut-être assez extrême là, dans les propositions que vous nous faites. Oui, ça c'est une exploration. Quand je parlais de la frontière entre animation, enfin, ce qui est de la bande dessinée et ce qui n'est pas de la bande dessinée, là on est de l'autre côté de la frontière. Mais en fait, tant que ça nous paraissait pertinent, beau, intéressant, on n'était pas fermé à diverses propositions. Quoi. Là, d'autant plus que Hervé Tancrel est l'un des créateurs et le rédacteur chef du magazine. Il trouvait ça intéressant d'ouvrir les possibles. Il s'autorise, voilà. Et effectivement, je pense que d'un point de vue de mise en scène, du dessin, c'est fascinant, quoi. C'est super beau. Et ça aurait été dommage de se priver d'exploration comme celle-là aussi. Et ce qui comptait, je pense, c'était que le magazine entier ne soit pas de l'animation. Voilà. En l'occurrence, ce récit, cette proposition, se trouve dans un hors-série, on peut le dire comme ça, de votre revue Professeur Cyclope. Oui, alors on en parlait comme numéro exceptionnel, numéro spécial. Qui a pour titre ? Asia Fantasia, pour celui-ci. Asia Fantasia. Voilà. Vous avez également fait, on a vu tout à l'heure, on a évoqué tout à l'heure, on peut voir peut-être le sommaire de Asia Illustré Fantasia. Illustré toujours par Tanguy Jossic. Voilà, et donc... Oui, ça y est, on l'a. Oui. Et donc, vous voyez ici un certain nombre d'auteurs qui sont nommés. Et quand on clique sur l'un de ces mets, soit délicieux, soit redoutable, je ne sais pas, je n'ose pas, je ne suis pas sûr d'être tenté par tout ce que je vois là. Mais en tout cas, derrière, il y a forcément une proposition graphique fort intéressante. Oui. Aujourd'hui, on va parler de choses, je ne sais si elles sont réjouissantes ou si elles sont... agaçante. Aujourd'hui, combien de personnes viennent voir Professeur Cyclope, sont abonnées à Professeur Cyclope, dont on rappelle donc que la revue en elle-même en est à son 20e Alors, 23e en comptant ceux de cette année. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, les abonnements, c'est terminé. C'était sur la période mensuelle. Donc, le magazine, la volonté, effectivement, était assez forte du côté... Enfin, de créer une revue et des rendez-vous réguliers, effectivement, pour créer des récits à suivre, des rendez-vous qui rentrent de cette façon-là, de la façon mensuelle, dans la vie des gens. On est passé à une autre forme plus légère cette année avec notre partenaire, parce qu'en fait, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais c'est très important dans le projet. On est coproduit par la chaîne Arte. Qui avait très envie d'explorer diverses choses sur le web, dont le dessin, la bande dessinée. Arte explore beaucoup. J'ai beau être à Radio France, j'aime bien aller voir ce que fait Arte Radio. Oui, exactement. Par exemple, sur la radio aussi. Qui est une belle terre d'exploration sonore. Voilà. Donc on est passé à une autre forme où on a publié 3 numéros thématiques. En s'accordant avec leur cycle thématique, puisqu'ils ont des cycles documentaires, de fiction, voilà. Donc le premier de cette année sorti en juillet, c'était Asia Fantasia, sur le thème général de l'Asie, où ils ont sorti donc des films, des docus. En septembre, on a sorti ce numéro qui est à l'écran Pop and Geek, sur la culture pop, la culture geek, à l'occasion de la nouvelle version de leur plateforme Arte Créative, puisque Arte, c'est une grande usine à gaz et que nous, on travaille plus précisément avec l'entité Arte Créative. Et le sort est fait à Demis Roussos par Boris Espissert, mérite le détour. Et en décembre, donc là, tout récemment, le 30 novembre, on a sorti un numéro sur le thème du dérèglement climatique, évidemment, à l'occasion de la COP21.
Et qui s'appelle Usine à gaz. Fameuse usine à gaz, voilà, dont nous parlions tout à l'heure. Voilà. Une idée, pour revenir à ça, de la fréquentation. Oui. Alors, sur les... sur le mensuel, on était autour de 5 000, enfin plus ou moins 5 000 de fréquentation. Là, on est plus à, on dépasse, enfin on approche des 20 000 pour les numéros. Donc c'était, en fait, ça faisait partie des buts de changement de formule, c'est que nous, on est très content de, très heureux de l'exploration qu'on a faite. On est d'un point de vue artistique, on est très heureux. Après, ce qu'on voit bien, c'est que ça rencontre pas tout à fait son public. 5 000 pour une proposition en partie gratuite, accessible, de qualité sur le net, c'est frustrant, c'est pas suffisant. Donc là, avec cette nouvelle formule, on touche à quelque chose de plus conséquent. On rencontre un public plus large. David Servenet, on évoquait les livres. On avait commencé d'ailleurs par dire que toutes ces propositions avaient été faites à côté, pour ne pas dire contre, les maisons d'édition traditionnelles. Pour autant, un partenariat s'est noué, naturellement. Vous parliez d'Arte, mais on peut aussi, on y reviendra peut-être autour de Casterman, un certain nombre d'histoires ou de propositions graphiques que vous avez faites se sont retrouvées en album. Vous avez noué des liens aussi avec... un éditeur ou des partenaires privés ? Alors, la problématique, elle était au départ de monter une revue qui allait coûter à peu près 200 000 euros sans avoir le début d'un copec. 200 000 euros au numéro ? Non, en tout. C'est-à-dire que si on voulait se donner à peu près un an de publication, donc le temps d'installer un peu la revue, donc 4 numéros, c'était à peu près ça. Et donc, comme je le disais, nous n'avions pas un copec. Donc, à un moment donné, il a fallu aller faire ce qu'on appelle une levée de fonds dans le langage d'aujourd'hui. Donc, obtenir de la part d'investisseurs ces fonds pour pouvoir monter le projet. Ce que nous avons fait via ce qu'on appelle un love money, c'est-à-dire des gens qui sont des particuliers, collectionneurs de bandes dessinées, et qui par ailleurs ont quelques moyens et qui donc ont chacun mis de 5 000 à 20 000 euros dans l'histoire. Et puis on a après recherché aussi ce qu'on appelle un investisseur institutionnel, qui en l'occurrence s'est avéré être Futuropolis, qui est une des filiales de bande dessinée du groupe Gallimard. Qui en plus travaille dans son catalogue la bande dessinée du réel. Voilà, alors dont nous étions proches d'un point de vue éditorial et de collaboration, puisque que ce soit Franck, Sylvain ou Chris, ils avaient déjà publié chez Futuro. Et puis on est dans des démarches, on va dire, très, très proches dans ce qu'on aime faire. Et donc Gallimard a pris 5% du capital de la revue dessinée. Et ça, ça nous a permis en quelque sorte d'amorcer la pompe. Le pari étant dès le départ pour nous, à la fois d'offrir un objet qui éditorialement serait de qualité, mais qui aussi serait économiquement de qualité. Parce que dans ce genre d'aventures qui sont aussi, pour nous en tout cas, une aventure de presse en fait, on savait très bien dès le départ que si on n'arrivait pas au minimum à l'équilibre, voire à gagner un petit peu d'argent, on ne survivrait pas dans ce monde de brut qui est l'économie contemporaine. Voilà, donc c'était important pour nous aussi de faire la démonstration que, en gros, c'est pas parce qu'on est une bande d'auteurs souvent pris un peu pour des saltimbanques par les gens qui ont les moyens de financer ce genre de choses, qu'on n'arriverait pas à monter aussi une entreprise qui puisse générer sa propre économie, son modèle économique. Voilà ce qu'on est en passe de réussir à faire, et c'est important parce que si on arrive à faire ça, ça veut dire que derrière, on peut continuer à offrir aux auteurs, et ça aussi, ça a été une démarche très affirmée dès le départ, les meilleures conditions possibles pour s'assurer de leur collaboration. Vous aussi, vous payez vos auteurs, Anaïg, Plassard, me dites-le. Oui, ça faisait partie effectivement des ambitions, offrir un espace d'expression aux auteurs et les payer pour ça, pour s'exprimer. Ouais.
Et encore une fois, ce n'est pas un raisonnement particulièrement philanthropique, hein, c'est aussi parce qu'on considère que donner aux gens les moyens de donc de l'argent, donc du temps pour travailler, c'est aussi s'assurer d'un travail de qualité. Voilà. Et le pari, c'était aussi de se dire, si on a un contenu de qualité, on aura des lecteurs derrière, et pour l'instant, je croise les doigts, mais ça marche. Voilà. Étienne Davodeau, vous n'étiez pas un auteur en difficulté financière quand vous êtes parti dans cette aventure-là. Vous avez derrière vous quelques succès éditoriaux, on peut le dire quand même. Hein, vous l'assumez. J'assume les succès voilà, éditoriaux, sans problème. Les mauvais gens, les ignorants, un homme est mort. Enfin, il y a quand même vous avez un fond qui a touché le public, qui a trouvé son public. Qu'est-ce que vous a apporté, vous, à l'homme, justement, du livre ? Vous évoquiez le fait que vous étiez rentré dans ce métier avec cette volonté du livre. Qu'est-ce que vous a apporté cette invitation à rejoindre une revue, la revue dessinée ? Il y a d'abord le fait qu'encore une fois, c'est eux qui ont proposé cette rencontre. Ça, c'est évidemment déterminant. Ensuite, il y a le fait de participer à une expérience nouvelle qui m'intéressait, même si je n'étais pas partie prenante. Encore une fois, j'ai vu naître la revue dessinée et on a forcément des atomes crochus puisqu'on explore, eux et moi, de mon côté, des terrains assez communs. Et puis, il y a ce côté collectif qui est aussi très intéressant. Les auteurs de bande dessinée sont souvent des ours, des asociaux, des gens qui bossent seuls. Et le côté collectif de l'expérience est aussi intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un esprit commun qui essaie de se mettre en marche autour d'une idée de ce que peut donner la bande dessinée. Et tout ça, ça fait déjà des raisons suffisantes pour y aller. Après, l'idée, c'est aussi de voir ce qui est faisable dans cette veine-là. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est la pérennité de l'expérience. Là, si j'ai bien compris, le 11e numéro est en cours de préparation. C'est un projet qui tient. C'est un projet en plus qui prouve sa viabilité économique. On parlait du fait que les auteurs soient payés correctement. C'est important parce qu'on oublie vite que la bande dessinée, c'est une activité qui prend un temps considérable. La bande dessinée d'enquête prend un temps encore plus considérable, puisqu'à toutes les étapes habituelles d'un livre de bande dessinée, il y a tout ce qui concerne l'enquête, les recherches d'archives, les vérifications, et après seulement on dessine. Et donc ce temps-là, il faut pouvoir l'utiliser pleinement, et donc il faut pouvoir donner aux auteurs la possibilité de travailler sereinement. C'est quelque chose que parfois les éditeurs traditionnels battent un peu en brèche pour des motifs économiques, parce qu'il y a de plus en plus de livres qui se vendent chacun de moins en moins. On voit les avances sur droit qui baissent. Et donc, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'enchaîne. Mais la différence qu'il ne faut pas perdre de vue entre un auteur de bande dessinée et un romancier, par exemple, c'est qu'auteur de bande dessinée, c'est souvent une activité à plein temps. Des romanciers qui ne vivent que de leur travail de romancier, c'est 5% des romanciers, peut-être. Enfin, je dis ça, mais c'est de cet ordre-là. Même pas, peut-être. Le CNL, le Centre National du Livre, vous dirait que vraiment les comptes sur les doigts d'une main, voilà, les deux mains maximum. C'est très rare. Et y a ce problème qui est un problème d'ordre social. C'est-à-dire que si on veut que des gens puissent se consacrer à de la bande dessinée, il faut leur en donner les moyens. Et le fait que les éditeurs le fassent de moins en moins pose un problème. Et le fait donc que des expériences alternatives comme celle-ci se présentent les rend d'autant plus intéressantes. Et aujourd'hui, on considère qu'à peu près en France ou dans l'espace francophone, 1500 personnes vivent de la bande dessinée, parfois et même souvent en dessous du SMIC. Dire qu'ils vivent de la bande dessinée me semble un peu compliqué d'ailleurs. En tout cas, ils tentent d'en vivre. J'ai précisé... Oui. Parfois et même souvent en dessous du SMIC. Étienne Davodeau parlait de cette notion de revue qui est l'endroit qui rassemble, qui réunit, qui permet aussi de se retrouver, même physiquement, quand il s'agit de faire un sommaire. Il est une revue dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas encore cité ce soir, c'est Fluide Glacial, dont les soirées de bouclage sont légendaires et qui longtemps et toujours d'ailleurs a donné lieu, pour ceux qui la lisent, à des marges copieusement arrosées. On va le dire comme ça. Voilà. Avant peut-être de poser les dernières questions, y a-t-il dans la salle des questions que vous souhaiteriez poser à Annick Plassard de la revue Professeur Cyclope, David Servenet de la revue Dessinée, Étienne Davodeau, auteur de bande dessinée qui fait partie de la revue Dessinée. Pendant que vous réfléchissez, je note d'ailleurs
qu'il y a peu, mais il y a quand même de temps en temps des auteurs qui font l'aller-retour entre vous deux. On parlait de Bourris tout à l'heure. Hervé de Bourris est le type même d'auteur qui fait l'aller-retour entre Professeur Cyclope et la revue dessinée. Mais ils ne, finalement, ne sont pas si nombreux que ça, si je me trompe. Ou sur, parce qu'il y en a des auteurs, on a dit 130 chez vous, enfin, la moitié d'auteurs de bande dessinée, la moitié de journalistes. 70 à peu près chez vous, ça fait quand même du monde. Il y a deux familles qui cohabitent. Non, je crois pas que ça soit tellement une question de famille, c'est plus une question de d'occasion, d'occasion et d'envie. Et très souvent, les auteurs disent, je crois que c'est d'ailleurs le cas d'Étienne, on aime bien passer d'un projet qui va être un projet de fiction à un projet de réel, du réel et vice versa, et d'alterner aussi, parce que encore une fois, je pense qu'on ne joue pas avec les mêmes contraintes, et donc la marge de liberté est pas la même, les objectifs aussi sans doute sont pas les mêmes dans ce qu'un auteur peut développer. Donc voilà, et en plus, alors nous on a la difficulté d'avoir à associer un auteur qui maîtrise le propos, qui soit journaliste, universitaire ou peu importe, et un dessinateur, auteur de bande dessinée, et ça rend l'équation assez complexe, et très souvent effectivement c'est une question d'occasion. On a vu, il y a vraiment énormément de monde pour faire mes petits comptes, là j'ai tout imprimé chez vous, énormément de monde. Ça veut dire que vous n'avez pas de mal à les trouver, ou est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils ont les auteurs, des auteurs que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, viennent, j'aimerais jouer avec vous, j'ai des idées. Oui, en fait les deux se sont présentés, quoi. C'est-à-dire que les cinq auteurs fondateurs du magazine ont déjà, enfin, plein de copains, plein de collaborateurs, plein de gens avec qui ils ont fait le syndicat, avec qui ils ont fait Capsule Cosmique. Donc, avec qui ils travaillent en atelier peut-être. Oui, c'est ça. Une autre façon de travailler. Une autre façon de travailler dans la bande dessinée. On a souvent des groupes, enfin souvent, parfois des groupes de 5, 6, 10 personnes qui peuvent travailler un peu ensemble. Voilà. Et donc je pense qu'ils ont commencé par proposer à plein de gens dont ils aiment le boulot de travailler pour le magazine, et puis petit à petit c'est vrai que des gens nous ont dit qu'ils avaient envie de tenter quelque chose, quoi, de travailler dedans ou de recommencer, d'y revenir aussi. Voilà, donc. Vous avez plus de facilité à trouver des dessinateurs ou des journalistes pour la revue dessinée, David Servenay? Non, très honnêtement, on a plus de difficultés à trouver des dessinateurs, mais là encore pour des raisons d'organisation du travail. Comme le disait Étienne tout à l'heure, le travail du dessin en bande dessinée est long. Donc souvent, les auteurs, et notamment quand ils sont assez talentueux, ils ont des plannings de boulot sur un an, deux ans. Voilà, ils ont plein de projets en cours. Et nous, on est, alors même si on n'est pas articulé directement à l'actualité, puisqu'on est une revue trimestrielle, donc, et on a une approche finalement assez magazine de nos sujets. Donc, c'est tout le problème de l'actualité en bande dessinée. Voilà. Joe Sacco, que vous connaissez sans doute, qui est peut-être l'une des plus grandes références en matière de bande dessinée, d'actualité, de reportage, de bande dessinée du réel, dit « je suis un journaliste » parce qu'il est un journaliste. Il a commencé comme journaliste autant que comme dessinateur. Il a fait une école de journalisme. Et d'ailleurs, il l'a fait ensuite en bande dessinée parce qu'il n'arrivait pas à placer ses papiers, rappelons-le. Il dit « je suis un journaliste à mouvement. Je fais du journalisme à mouvement lent. » Voilà. Et donc, pour arriver à articuler, en fait, en gros, l'agenda de la revue tel que nous, on souhaite le mener, et l'agenda des auteurs, c'est assez compliqué. Voilà, donc c'est deux éléments qu'il faut articuler. Après c'est toujours pareil, les gens qui sont très talentueux, comme dans tous les métiers, sont très demandés, ont souvent du coup aussi gagnent beaucoup de liberté dans ce qu'ils peuvent faire, parce que finalement c'est un peu la rançon du succès, et parfois les projets qu'on leur propose leur plaisent pas, tout simplement. Donc voilà, les choses se font pas forcément très, très simplement, ou à contrario, parfois, ils expriment aussi le souhait, ils nous proposent des sujets. Enfin, voilà, donc on arrive finalement à... Étienne Davodeau, j'ai entendu que vous disiez que ça vous avait suffisamment plu pour avoir envie d'y revenir. Vous avez déjà trouvé votre prochain partenaire? C'est possible. Ah, on peut savoir? Non. Bon, y a-t-il alors des questions, posais-je comme question tout à l'heure? Oui, il y a une question ici, si Jérémy peut passer le micro, merci. Bonsoir. C'est une question pour Monsieur Étienne. Étienne Davodeau, oui. Bonsoir. Votre travail
est assez proche de la recherche historique. Est-ce que vous avez le sentiment de faire un travail d'historien, ou est-ce que vous êtes en relation avec des historiens? Mon travail explore des domaines où je peux croiser effectivement le travail d'historien, le travail de sociologue. Simplement, moi, je ne suis ni sociologue ni historien. Je suis auteur de bande dessinée. Et l'idée pour moi, c'est surtout de ne pas déborder de mon rôle, de ma fonction d'auteur de bande dessinée, parce que je prétends que la bande dessinée peut aller là, justement. Dit autrement, j'ai pas envie qu'on déqualifie mon travail parce qu'il va explorer d'autres territoires. Donc j'ai évidemment rien contre les historiens et les sociologues, au contraire, ça m'intéresse beaucoup. J'en lis, j'en écoute, je suis attentif à tout ça. Mais l'idée pour moi, c'est de conserver, en explorant ces domaines-là, le statut d'auteur de bande dessinée. Je fais des livres de bande dessinée qui ont une connotation sociologique ou historique souvent, mais je tiens vraiment à le rester. Ouais. Si je peux me permettre d'ajouter une petite chose, et notamment pour parler de la collaboration qui a eu lieu entre Étienne Davodeau et Benoît Colomba, c'est que nous, à la Revue Dessinée, on constate que les choses fonctionnent quand chacun joue sa partition. C'est-à-dire quand un journaliste, en fait, va faire son travail de journaliste et amener le contenu d'une histoire, d'une enquête, d'un reportage, etc. Et que l'auteur de bande dessinée va apporter son art de la narration, sa maîtrise de l'art de la bande dessinée. Non pas que le journaliste n'ait pas à se poser des questions de forme, et réciproquement que l'auteur de bande dessinée n'ait pas à se poser des questions de fond, mais en fait, les choses, la mayonnaise prend, si je puis dire, quand on arrive à bien articuler ces deux dimensions et à ne pas se mettre à la place de l'autre, en fait, en quelque sorte. C'est là, enfin, nous, de notre point de vue, hein, parce qu'on, de fait, on devient un peu un... On observe beaucoup de collaborations comme ça. Ça fonctionne bien, une fois de plus, quand chacun joue sa partition. Même si dans Cher pays de notre enfance, on voit régulièrement Étienne Davodeau poser des questions aux témoins, des questions parfois innocentes, mais qui nous rappellent qu'il faut savoir poser des questions de base et des questions d'ignorants. Voilà. Oui, bien sûr, mais c'est un peu le statut que j'essaie de conserver. Alors, l'allusion... À l'un des titres aux ignorants, c'est un de mes livres précédents où je suis allé explorer le monde du vin en essayant de profiter de mon état d'ignorant du monde du vin pour découvrir des choses. Faire une enquête sur la Ve République avec Benoît Colomba, ça me permettait aussi de conserver ce statut de candide qui est très productif narrativement. Benoît Colomba est probablement le journaliste qui connaît le mieux les arcanes de la Ve République. J'ai passé 2 ans avec lui à rencontrer des hommes politiques, des avocats, des policiers. Je ne l'ai jamais vu pris en défaut. Quand on parle d'un obscur sous-secrétaire d'État en 72 aux anciens combattants, il sait très bien que c'est l'ancien député du Loir-et-Cher qui était lui-même maire de... Enfin voilà, c'est incroyable. Donc évidemment, pour moi, bosser avec un gars comme ça, c'est très facilitant. Et donc je peux me consacrer à la fois vraiment au récit, c'est-à-dire comment vais-je raconter toutes ces infos qu'on ramasse. Et puis en même temps, on est un duo assez efficace, puisque lui pose des questions extrêmement chirurgicales qui vont taper tout de suite au nerf. Et moi, j'ai déjà en tête la position du lecteur qui connaît forcément pas tout ça aussi bien que lui. Et donc, je pose des questions d'ordre plus global, des questions qui resituent les choses dont on parle. Et à la fois, seul, je n'aurais fait que 10% du travail parce que je ne savais pas tout ça. Et parce que ma découverte de tout ça, c'est aussi la découverte que va en faire le lecteur. Ça me semble une bonne façon de travailler. Donc, j'allais dire je joue au nigo, non, mais je ne cache pas le fait que je n'en sais pas autant que lui, de la même façon que je ne cachais pas ce que je ne savais pas du monde du vin, puisque le principe de découvrir, c'est aussi le principe de raconter. Enfin, en tout cas, je lis les deux. Annick Plassard, parmi les auteurs qui viennent à Professeur Cyclope, y a-t-il cet enthousiasme là aussi des découvreurs, de dire je ne connais pas les techniques que vous utilisez, mais j'aimerais bien jouer avec ça, j'aimerais bien inventer des choses, voir comment ma capacité à la fois graphique et mon sens du récit peuvent s'accommoder de ces outils. Ben oui, je crois que ça fait partie des motivations des gens qui viennent nous voir. Après, je pense que ça, j'imagine aussi que ça décourage certains autres. Enfin, d'autres personnes se disent je suis tellement pas à l'aise avec l'outil numérique informatique que c'est pas mon domaine, ce qui est dommage parce qu'en fait on peut faire se rencontrer, nous c'est pas des journalistes, ça va être des développeurs avec qui
on travaille beaucoup. Et nous, alors on envoie ça, du coup j'ai ça aussi. Hop, j'avais ça aussi. Ça, on a, si on peut montrer, voilà. Ça fait partie des liens qu'on envoie aux auteurs avec qui on travaille ou avec qui on a envie de travailler pour montrer les différentes formes des différents usages et différentes formes de narration qu'on a déjà explorées, tout en disant si vous arrivez avec quelque chose de tout à fait différent et qui n'existe pas, ce serait génial. On a envie de voir. Par exemple, un truc très amusant, c'était qui est proche des outils Loulipo, puisque c'est Anne Barraud. Loulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. Ah oui, d'ailleurs, oui, c'est ça. Étant l'ouvroir de bande dessinée potentielle, c'est-à-dire ce groupe qui s'est formé pour se donner des contraintes en utilisant tous les moyens de la technique, en l'occurrence la bande dessinée. Donc, Anne Barraud, elle avait déjà fait des Et là, c'est vraiment le hasard, c'est vraiment comme dans les casinos, je n'y vais jamais, hein. Comme dans les casinos, la roue tourne et produit un récit aléatoire. Ah, ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle nous fournit des fichiers avec plusieurs cases. Elle sait, elle, que ça peut fonctionner de tous les arrangements possibles. Elle a des structures quoi, narratives en tête. Et après, nous, on fait un travail... Fanny Dalry forcément fait le travail graphique, y compris de je sais pas comment dire... Fanny Dalry, donc, la mise en scène. Quoi. D'accord. Et Anne Barraud, qui imagine les récits. Et ensuite, c'est le développeur qui, lui... à une touche plus importante à apporter ici. Quoi. Voilà, donc sinon, qu'est-ce qu'on avait ? Avouez que c'est drôle quand même, comme tentative de récit. Il y avait dans le scrolling. Est-ce que ça marche ? Le scrolling, voilà. Alors lui, il s'est vraiment beaucoup amusé. Sur le côté pour faire défiler, pour faire dérouler. To scroll. Là, j'y vais vite, mais en fait... Oui, alors comme on le disait tout à l'heure, ce sont des outils où le lecteur est aussi important que la proposition graphique. Vous irez à votre rythme. Là, j'ai bien conscience que vous n'avez pas le temps de lire, mais vous irez de vous-même. Allez voir sur Professeur Cyclope. Ça fait partie des... Ça, c'est l'histoire de Vincent Pianina. Et donc là, on peut faire un long récit, une longue image qui ne s'arrête jamais. On est très loin de la mise en case, de la mise en espace, de la mise en scène qu'imposait la page et la double page, qui est en soi une manière de proposer un récit à l'œil du lecteur. Beaucoup plus complexe, d'ailleurs, qu'on ne pourrait le croire en commençant en haut à gauche et en terminant en bas à droite. C'est faux. Quand vous ouvrez une bande dessinée, ça ne se passe jamais comme ça. Mais il n'y a que les gens de bande dessinée pour se poser des questions sur l'image. On l'a dit déjà tout à l'heure. C'est bien. Autre chose ? Non, c'est bon ? Il y a d'autres choses à montrer, mais je... Allez, juste fois, puis après, parce que j'ai conscience que le... Que l'heure tourne. Ça va ? Jérémy nous dit que ça va. Alors, ce qu'il y a, c'est que je... Alors, qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre qui est là ? Le scroll vertical, par exemple, de Philippe Dupuis. Voilà. Alors, Philippe Dupuis, anciennement de cette entité à deux têtes qui s'appelait Dupuis Berberian, dont vous avez sans doute lu ou peut-être lu des bandes dessinées de conception beaucoup plus classique, Monsieur Jean, par exemple. Berberian est parti dans peut-être quelque chose qui s'apparenterait plus, à mon sens, même s'il est encore à Fouille Glaciale Compagnie, dans la bande dessinée du réel, ce qu'il propose aujourd'hui avec la musique, à dessiner des acteurs de la scène contemporaine française. Il est plus vers le réel. Alors que Philippe Dupuis, et ça se voit aussi avec son style graphique qui a radicalement changé lui aussi, est parti. J'espère qu'il va... pas m'en vouloir s'il regarde cette émission que propose la BPI, quelque chose de plus arty, je dirais, c'est-à-dire qu'il cherche des propositions plus purement graphiques, même dans la manière de proposer des récits. Alors du coup, on voit sur la droite, quand je descends, quand je scrolle, on voit le curseur de l'ascenseur qui est seulement à un tiers, en fait. Et donc son récit n'en finit pas. Il a forcément une fin, mais en tout cas, il est beaucoup moins limité, quoi. Et c'est vrai qu'on avait, à l'occasion d'une exposition, il avait fait des tirages
de ce qui nous, enfin de ce qui a servi pour l'écran par la suite, et ça faisait des mètres et des mètres quoi. Et Philippe Dupuis, ça fait partie des gens qui ont, quand on est allé le voir, qui ont dit ça m'intéresse de participer, mais seulement pour faire quelque chose que je ne pourrais pas faire dans un livre de bande dessinée quoi. Autre question. Alors, moi j'ai la dernière à poser. Les projets, vous en êtes où les uns et les autres? Professeur Cyclope, vous en êtes où, professeur? Eh bien, nous on a la sensation que la formule de cette année était intéressante, qu'elle rencontre un plus large public. Après, on est toujours en discussion avec Arte pour voir si on va pouvoir continuer sous cette forme-là, sous l'année prochaine. Les projets de la revue dessinée? Alors pour 2016, la revue dessinée aura un petit frère qui va s'appeler Topo, et qui sera une revue pour les ados, une revue d'info donc pour les ados en bande dessinée, qui sortira, si tout va bien, en septembre 2016. Voilà, et quant à la revue elle-même, elle continue de manière trimestrielle. Absolument. Et vous, combien de numéros par an vous proposez? Là, c'était cette année, trois numéros. Trois numéros. Les projets d'Étienne Davodeau? Moi, je vais faire une petite infidélité à la bande dessinée. Encore que je suis en train d'écrire le scénario de l'adaptation au cinéma d'un de mes livres précédents, qui s'appelle Chute de vélo. Donc voilà, et je vais revenir à la bande dessinée dès que cette adaptation sera écrite, ce qui ne saurait tarder. Mais j'ai pas encore vraiment de... Vous avez pris goût au cinéma avec Lulu Femme Nue? C'est la productrice de Lulu Femme Nue qui m'a proposé de réaliser d'écrire et de réaliser Chute de vélo. L'écriture me tentait bien, la réalisation pas vraiment. Donc on a trouvé un réalisateur qui en plus connaissait bien le livre, elle l'aimait bien. Et on est en train d'écrire ensemble l'adaptation. Voilà. Mais je reste auteur de bande dessinée. Je vais revenir à la bande dessinée qui commence même à me manquer un peu. Merci à vous trois, merci Étienne Davodeau, merci David Servenaire, merci Annick Plassard, merci à la BPI qui nous a accueillis pour cette soirée autour de revues en bande dessinée. Vous avez bien compris que désormais la revue en bande dessinée a passé un cap et nous vous invitons à le passer avec nous. Merci.